La tyrannie sanitaire, nous n'en voulons pas, nous n'en voudrons jamais. Et à l'approche des élections, certains laissent entendre que les mesures restrictives vont être adoucies. Nous demandons bien plus. Nous ne voulons pas juste qu'ils mettent tout cela sur pause. Nous refusons la société de contrôle, la société de crédit social à la chinoise qu'ils sont en train de mettre en place. Nous n'en voulons pas. Leurs outils, les QR codes, les flashs et la répression sont leurs armes. Nous demandons donc l'arrêt pur et simple et pour toujours de ces contrôles de QR code et d'identité à l'entrée des restaurants, à l'entrée des bars. Nous n'en voulons pas à l'entrée des boîtes de nuit de tous les autres lieux. Nous sommes dans notre pays, nous voulons être libres, nous voulons être un pays libre et le souverain en France, ce n'est pas Macron premier, le souverain c'est nous, c'est le peuple français. Et on peut féliciter une nouvelle fois les convois de la liberté, tous ceux qui ont fait beaucoup de routes. Nous leur témoignons notre respect et notre soutien, bravo à eux, puisqu'ils ont démontré que l'esprit si français de résistance, que la flamme de la résistance, que notre tempérament de feu, de gloire réfractaire, est intact et croissant. Il n'y a plus de forces de répression, elles occupent Paris, elles encerclent Paris. Donc avec la Macronie, les manifestants peuvent tranquillement s'étendre un peu partout. Il y en a même ici. Ils ont fermé Paris complètement, tellement ils ont peur des convois de liberté. Hier, ils avaient déployé les blindés, donc trois blindés, trois véhicules d'avant blindés de la gendarmerie nationale pour tenter d'intimider les manifestants. Les manifestants sont pacifiques, ça leur fait très peur. Donc apparemment, là, tout le monde peut un petit peu s'étendre tranquillement. Donc j'en profite.